Bienvenue et merci de nous suivre sur votre chaîne Presse Afrique. Merci de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Rien de politique, vraiment. Ce pays-là nous appartient. Il faut que nous n'ayons pas de politique. Ma politique, c'est une période. On a dépassé cette période. Vraiment, nous avons des choses à faire dans cette dynamique. Le port, c'est une institution de la République du Sénégal. Le maire, la commune est un démembrement de l'État. Le président de la République nous a demandé tous d'être ensemble pour travailler. Il n'y a vraiment rien de truc. Je crois que Madame le maire est là. Lorsque le ministre veut, lorsque le président veut, vous êtes toujours inscrit dans ce truc. Nous sommes tous les gens qui nous ont dit. Nous sommes tous les gens dans cette dynamique. Voilà. Donc vraiment, nous sommes tous les gens. Voilà. Les gars, ils connaissent les gens. C'est le tout-seul là. Non, c'est bon, c'est pour l'autonomie de Dakar, il n'y a rien de tout. Non, monsieur le maire, on aurait pu manger un mouvement qui s'appelle GSE. J'ai dit que personne ne met GSE. Mais nous avons signé un protocole avec la famille de Dakar. Le président de la République a envoyé son ministre, vous étiez là, qui a promis 3 doléances du quartier. Le marché de Castor, le terrain de Castor est un lycée. Il a promis. Le président a, dans son mandat, a dit zéro déchet Sénégal. Donc quand il y a une initiative de cette envergure, il serait incompréhensible que le DG du port ne puisse amener sa contribution. Donc nous vous amenons notre contribution. Nous avons 3 camions, 2 pelles mécaniques et autant de brouettes. Et il y a les jeunes qui sont là, qui n'ont pas mis l'effigie du mouvement du DG. Donc on est venu en tant qu'institution, mais en tant qu'aussi natif du quartier. Et je suis sûr que vous n'allez pas refuser ce geste-là qui est juste pour l'intérêt des populations. Absolument. Et on vous le donne. Je voulais à nouveau rappeler les convictions du conseil municipal et du maire que je suis. La participation responsable, elle est décrite dans le code général des collectivités locales. Je vous rappelle, Michel Gouenard. Nous sommes dans un État. Il faut que la hiérarchie soit respectée. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les uns et pour les autres. Au-delà même du directeur du corps que vous êtes, mais autant la main à toutes les personnalités et bonne volonté de la commune. Absolument. Mais que ça soit dans l'orthodoxie. Merci, monsieur le maire. Nous sommes derrière vous. Voilà.